Yo tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes super bien et on se retrouve à nouveau sur To The Moon. Alors j'ai été voir ce que c'était les animorphes sur internet et je me suis spoilée. Je me suis spoilée en fait dans la catégorie images en allant voir les animorphes, donc pour voir la couverture du livre ou de celle de où on voyait David dessus si je me souviens bien. Il y a une image du jeu To The Moon qui m'est apparue où River expliquait toutes les transformations des animorphes. Voilà, en voulant faire quelque chose de bien, et bah, je me suis spoilé à ce qui allait se passer. Donc bah, je sais qu'il faut que j'aille parler et que River va nous raconter les couvertures de livres des animorphes. Voilà, voilà. Bon, bah, parlons, hein. Voilà, je me suis spoilé exactement cette image que vous voyez devant vos yeux. Alors, Tobias, Faucon, Rachel, Grizzly, Jack, Tigre... Marco, Gorille, David, Cobra, voilà, donc David est un cobra, Cassie, Lou. Pourquoi? Mais je sais pas, River, je n'en sais rien. Oh, juste comme ça. Tu aurais pu aller le voir sur Google. C'est exactement ce que j'ai fait. Ok, alors il a demandé la réponse à River. Bah, on va aller lui donner la réponse à la petite fille. C'est parti. Tu sais en quel animal David se transforme sur sa couverture? Oui, je sais, en cobra. Alors, en cobra. Cobra. Bon, j'espère qu'il fallait pas écrire en minuscule, même si je pense pas que ça change quelque chose. Oh yeah! Ah ouais, un cobra! Et on a eu l'olive verte qui nous manquait. J'aurais vraiment aimé qu'ils gardent des vieilles illustrations plutôt que de mettre des couvertures toutes simples. Elles étaient cool. Je pense que l'auteur du jeu est un fan des animorphes. Je connaissais pas du tout, tu vois, j'ai découvert les animorphes et c'est une série vachement longue. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de tomes. Et si je me souviens, ça raconte donc c'est des personnes qui sont capables de se transformer en un animal particulier. Il leur arrive des trucs. Enfin bref, c'est une série pour adolescents, je crois. Pour... ouais, c'est ça. Voilà, donc je connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc maintenant qu'on a notre olive verte, il va falloir qu'on trouve notre memento. Alors. Ouais, ça on sait, le memento. Je pense qu'il faut qu'on retourne là dans la petite pièce. Alors, qu'est-ce qui pourrait servir? Ah, le sac. Le sac. Échec. Échec vision. Le sac ne peut plus servir de memento. Ouvrez l'œil les amis, qu'est-ce que vous voyez qui ressemble à un memento? Mais je vois rien, c'est bien ça le problème. J'essaie de parler aux gens. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, vous auriez pas vu un memento traîner? Non, je passe très bien les gens. Oui c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Non plus. Je devrais peut-être le relire après tout. J'ai pratiquement tout oublié de cette série. Ok. Ah mince alors. Mince, mince, mince. Si j'essaie de commander un livre, non. Non. Si j'essaie de parler directement à Rachel, non. Non. Peut-être le livre là. Ah. En même temps, vous me direz, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Est-ce que je peux aller de... Non, je peux pas y aller. Bah c'est parti, touc. Activons le memento. Hop. C'est parti. Alors. Oh, mais c'est de plus en plus dur. Idéal 5. Je vais essayer de faire un sans faute comme la dernière fois. Alors, idéal 5. Réfléchissons. Touc, touc. Attendez, je médite intensément. Je crois que j'ai une idée. On va essayer.
Toc. Eh, des fois, les amis, je m'admire, mais un truc de malade. Ok. Activation Animorph. Oui. Remontons dans le temps. Alors, on est où? Ah, on a passé une barre. On revient dans sa jeunesse. Donc, on revient quand il aimait lire les Animorphes et qu'il était tout petit. Alors. Oh, tout le monde part déjà. Mais je viens à peine d'arriver. Ça semble t'arriver souvent quand tu vas à des soirées. C'est vraiment. Elle est vraiment méchante avec Watt, c'est un truc de malade. Oh, garde tes piques puériles pour les faibles. Ok, alors on va lire les notes. Alors, Anya le phare, l'horloge, la lune, les olives, la crevette. Animorph. Des livres pour enfants. Les livres pour enfants préférés de Johnny. Bah, bon, ok. Why not? Why not? Why not? Alors. Baladons-nous un peu. Mais attendez, je crois qu'on est revenu. Attendez, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je pourrais aller? On est sur la falaise, hein? C'est ça. Ok, et donc il est là avec River. Ok. Je vais d'abord. Je vais aller les voir après. Ok, donc c'est pour ça que l'endroit est important pour eux et c'est un endroit où ils ont été enfants. Ah, le bocal d'olive verte, mais je l'avais pas vu. Je vois l'arme du crime, mais où est le colonel Moutarde? C'est la pire réflexion que tu aies faite de toute la soirée. Ne me dis pas que ça ne te monte pas au nez. Il fait des blagues aussi drôles que les miennes. Oh là. Et l'olive verte! Ah, nous avait manqué celle-là. Alors, parlons aux gens qui existent. Ok, ça avait l'air d'être quelqu'un d'important vu que son visage apparaissait, mais apparemment non. C'est pas grave. Bonjour. Ah, lui non plus. Ok. Bonjour. Ok. Alors, ils se rappellent de leur visage, mais c'est pas des personnes assez importantes. Ou alors, elle veut pas rentrer en communication avec nous. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Personne veut nous parler. Personne veut nous parler. Bon bah, si personne veut nous parler, on va s'en aller, hein. Écoutez, je vais pas. Pourquoi je peux pas passer à travers? Alors, il y en a que je peux passer à travers, et il y en a que je ne peux pas. Ok, c'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Je me suis coincée toute seule. Non, c'est bon, je me suis décoincée, tout va bien. Ouf, ouf, tout va bien. Mais moi je voulais accéder. Là, ça m'intéresse. Ça, là, ça, là, là. Non, bah ça, là, rien du tout. Ok, bon, bah on va aller les voir. Est-ce que je peux descendre? Oh là là, encore coincé par des buissons. Non, ok, bon, bah on va aller voir River et John là-haut. J'arrive! J'arrive! Rien d'intéressant sur le chemin, non, on ne dirait pas. Ok, l'énorme flèche rouge. Let's go! Alors, bonjour River, bonjour John. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Je vous écoute. Ok, si personne communique, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, c'est bon, fallait toucher Anya. Ça me fait toujours bizarre de me dire que Anya, c'est le phare quand même. Alors, je suis prête. Alors, tu sens quelque chose de changé? Tu sais, maintenant que nous avons la bague au doigt. Ah, il a demandé en mariage. Ou alors ils se sont déjà mariés, je sais pas. Non. Le pauvre. Pourquoi? Toi, oui? En fait, oui, je crois que oui. Comment ça? C'est tout simplement différent. Les responsabilités, je suppose.
Les responsabilités. Tu aimes le nom Anya? Tu aimerais l'appeler Anya? Je comprends. Pas moi. Attends. Oui, Anya, ça lui irait bien. Ok, ils sont en train de nommer le phare Anya. Ok, au début, je croyais qu'elle était enceinte et qu'ils cherchaient le prénom de leur fille. Mais apparemment, non, ils sont juste en train de nommer le phare Anya. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hé, viens avec moi. Ok, ils sont juste en train de nommer le phare Anya. La déception! Alors, qu'est-ce qu'elle a, Anya? Ce n'est pas une bonne idée, je vais sûrement trébucher et tomber. Mais non, mais non, mais non. Ne t'inquiète pas, contente-toi de suivre mes pas. Ah, ils vont danser. C'est mignon. C'est en train de danser tout en haut d'un phare. Qui s'appelle Anya. Ah, mes fesses! Bon, bah, ça va durer longtemps. Je crois que tu m'as marché sur les pieds. Désolée. Allez, on réessaye. C'est bien, faut persévérer les enfants, persévérer. Ils sont dansés toute la nuit. Ah ouais, c'est l'aurore, ils ont dansé toute la nuit. J'ai bien que j'ai dit qu'il fallait persévérer, mais... Ah, ils sont en train de se marier. Ok, donc c'était juste avant leur mariage. Ok, ils sont mariés devant le phare. Ah, mais fallait le dire avant. C'est pour ça qu'il est important ce phare. Enfin, je pense qu'il était important avant qu'ils se marient. Mais j'arrête de parler, on commence. Alors, promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de l'honorer, de lui rester fidèle dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Et voulez-vous prendre cet homme ici présent comme votre légitime époux? Promettez-vous de l'aimer, de le protéger, de l'honorer, de lui rester fidèle dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, elle a mis longtemps à répondre. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur et Madame Wiles. Trop mignon. C'est marrant de se marier devant un phare. Sur le bord d'une falaise. Zut, le mariage. Oui, tu pensais que c'était quoi? Les mariages, c'est pas mon truc, c'est tout. Les fluides ont tendance à me couler des yeux. Oh, il pleure. Je ne te savais pas si sensible. Oh, j'ai dit des yeux. Je voulais dire de la bouche. Et je ne voulais pas seulement dire des fluides, mais aussi des solides. C'est charmant. Merci, Neil. Allez, cherchons un moyen de partir d'ici. Toi aussi, toutes ces joies et ce bonheur te dégoûtent, c'est ça? Mais non. Non, c'est juste que je n'aime pas regarder les gens faire des erreurs. Bon sang, tu ne m'avais pas dit qu'il fallait prendre les choses comme elles viennent? Une erreur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rosaline? Tu penses que c'est une erreur qu'ils se soient mariés les deux? Bah, ils ont une fin plutôt triste, mais si c'était heureux. Mince, Rosaline, enfin. Alors, il m'en manque deux. Alors, est-ce que le phare... Non, le phare, ça ne fait plus rien. Bonjour, voulez-vous vous pousser? Donc ça, c'est... Je sais déjà plus leur nom. J'ai oublié leur... L'épisode d'avant, ils étaient là, mais j'ai déjà oublié leur nom.
Bon bah promenons-nous, hein. Promenons-nous sur la falaise. Alors, ah, le repas. Bonjour. Bonjour. Oh, je ferais mieux d'y aller, voir comment va ma tante. Très bien, maman. Ah, c'est sa mère. Ok. En même temps, de dos comme ça, je n'aurais pas de vidéo. Très bien, maman. Remercie-la d'être venue. Bien sûr. Au revoir, maman. Je suis si fière de toi, Joey. Voilà, je préfère John, hein. Joey. Oh, c'est le nom de mon grand-père. Il est décédé avant ma naissance. Ma mère me surnomme ainsi. Comment ça se fait que tu ne m'en aies jamais parlé? Parce que je préfère que tu m'appelles John. Burke. Pas encore une de ses enfants. Burke, pardon. La voix de Dr. Watts. Burke, pas encore une de ses enfances pleines de bons sentiments avec des grands-parents et tout, tralala. Qu'est-ce que tu as contre ça? Toi-même, tu parles beaucoup de ton grand-père. Quoi? C'est faux! Si tu le dis. Joey. Oh yeah. Alors, on va lire la note. Note, 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 note. Joey. Le surnom de Joey en souvenir de son grand-père. Ok, je sais pas si c'est bien d'appeler son fils avec le prénom de son père. C'est bizarre. Bonjour, bonjour River. Alors, je ne peux pas passer par là. Je pense qu'on va aller voir la mère. Bonjour. Bonjour maman. Je suis si fière de Joey. C'est bien maman. Allez. Ah, sa tante est là. Ok. Il se rappelle pas le visage de sa tante. Ou sa tante est... Non, on dirait que c'est un homme là. Ok, c'est pas bien. C'est pas gentil de pas se rappeler le visage de sa tante. Alors, bonjour Nicolas. Non, Nicolas ne veut pas communiquer avec nous. Les amis, nous sommes dans les ennuis. Il me manque un lien mémoriel. Je ne sais toujours pas où est le memento. Et nous sommes coincés là. Nous sommes coincés là. Oui, je fais quoi? Bon, Ah, on peut descendre. J'avais peur que ça se transforme en walk simulator, je sais pas quoi faire. Alors, les voitures de tout le monde. Touc, 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 touc. Est-ce que je passe à travers les voitures, c'est merveilleux. C'est quoi ça? Un chat? Un chien? Un sac plastique abandonné? Donc, je regarde s'il n'y a pas un petit lien mémoriel qui va apparaître quand on marche à travers les voitures. Apparemment, non. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, River, c'est le jour de ton mariage. Qu'est-ce que tu fous? C'est un lapin? Oh, je crois que c'est un lapin mort. On ne peut rien faire, River. Je suis sûre qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Bien, on est en retard. C'était juste avant le mariage. Attends, est-ce que c'est un lapin? C'est ça, c'est un lapin. Attends, me dites pas qu'elle a fait des lapins en origami parce que elle a trouvé un lapin mort le jour de son mariage. Mais c'est horrible. Tu penses que c'est l'origine de tous ces pliages en papier? Pourquoi serait-elle obsédée par un animal écrasé? Sans compter qu'il y a de nombreuses années. Ne demande pas, c'est toi la femme ici. Je serais convaincue d'être la seule quand. Hein? Ha! Je serais convaincue d'être la seule quand tu auras fait un saut à l'élastique sans élastique. Oh, mes River. Allez, bébé, on est en retard. Oh, c'est horrible. C'est vrai qu'en même temps, trouver un lapin mort le jour de son mariage, c'est un peu glauque. Et c'est lié à mémoire. Je savais que c'était le memento en plus. Je m'en doutais. Alors, la note. Lapin mort. Génial, il est tout en haut. On peut pas le louper. Un animal écrasé le jour du mariage de Johnny et River. C'est horrible. Les enfants, c'est horrible! Oh, me dites pas que ça l'a traumatisée et après elle a fait que des origamis de lapin. Oh non, River! Bon, j'active le memento. Génial.
Préparer un memento de lapin mort. Génial. Allez, activation. Préparons le lapin. C'est ça, on va préparer le lapin mort. Idéal 3. Bah, je vais pas m'éterniser. Hein. Il est super simple à faire. Je pense que les gens n'ont pas voulu. On n'a pas voulu nous traumatiser avec un lapin mort, donc il est facile à faire. Voilà, lapin mort. Allez, on remonte dans le temps. Oui, remontons dans le temps. Tu sais que ton mariage est réussi quand le memento est un animal écrasé. Oh, c'est horrible. Eh. Peut-être l'a-t-elle vu comme une métaphore de leur mariage calamiteux. C'est pour ça que des années plus tard, elle s'est mise à plier des lapins en papier. Parce qu'elle se rappelait à quel point c'était pourri. Ou... Tu sais, quelque chose du même genre. Super ton histoire, Neil. Oh, c'est horrible. Alors, le lapin. On n'est pas remonté longtemps. Mais ça fait un moment qu'il est écrasé. Attendez. Il a été momifié ou quoi, ce bordel? Enfin, je ne vais pas poser de questions. Pauvre petite chose, c'est fou tous ces animaux écrasés aujourd'hui. J'avoue, les animaux écrasés sur les routes, c'est horrible. C'est déprimant. Cette fois, ce n'est pas moi. Oh, Neil! On n'écrase pas les animaux, on les évite. Ça sent la ferme. Et la charogne. Désactive le simulateur d'odeur ou dépêche-nous de nous faire partir. Ok, alors. On est où? On n'est pas devant le phare. On dirait pas qu'on sommes devant le phare. Ok, c'est un lapin écrasé, mais un autre est où? Je sais pas. Ah oui, on n'est pas devant le phare. Ou alors, il y a seulement des chevaux qui sont apparus. Oui, pardon, excusez-moi. Ah! Oups! J'ai cru que j'allais me faire écraser. Alors. Ah. Ok, la musique a commencé en mode ouhouhou, je vais. Oh, calme-toi, musique. Oh! N'y pense même pas. Il veut faire du cheval? À quoi? Le mec innocent. Tu sais quoi? Ne pense même pas. Ne pense même pas à ne pas être. À ne pas monter sur ce cheval. Tu as 5 ans ou quoi? D'accord, je ne vais pas ne pas le monter. Yaha! Arrête de nous faire perdre du temps, Neil! Oh merde! Ça s'annonce mal. Il s'est cassé la gueule ou quoi? Ah, fais quelque chose! Ne reste pas planté là! Allez! Eh, hey, bah démerde-toi, t'as voulu faire le zouave, démerde-toi. Purée, c'était pas dans le contrat, ça. De quoi, de se voir s'occuper d'un boulet? Docteur Neil Watts, c'est quoi la note? Eh oui, bah on est tout seul. La note, c'est quoi? Alors, Neil, ah bah Neil est tout en bas lui par contre, il est pas très important, hein. Idiot du village. Ah putain, le boulet. Ah là 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 là. Alors, Neil. Neil. Bon, je sais bien que j'étais méchante, mais j'ai besoin de toi, Neil. Ah, c'est River. Enfin, si je soupçonne sa pousseur d'être River. Bonjour, River. River ne veut pas nous parler. Ah, et c'est John. Ok, bah ils se connaissent depuis un moment, en fait. Ah, l'olive verte est apparue de je ne sais pas où. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ça devrait bien se passer, ce n'est pas sa première fois. Mais elle n'a encore jamais fait seule. Elle monte à cheval. Ça va aller, je ne suis pas une gamine. Elle a quel âge, River, là-dessus? Ah, oups! River! Ok, elle a fait une île numéro 2. Ah bah non, ouais, elle s'en sort bien. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y! Ah bah, elle s'éclate. Hé, hey, attends! Ok, j'imagine que... Enfin, je monte sur ce cheval pour les rejoindre. Je me demande si il est enfin descendu de ce cheval. Hey!
Bah non, le voilà. C'est classe. Ah mais il est à l'envers, non? Ça fait 19% de plus que je peux gérer. Quel idiot. Ok, le cheval il s'est retourné en mode wesh, vas-y mon chawa là. Oh, il me court sur les haricots. Mais c'est trop bien. Je fais de l'équitation, c'est trop bien, c'est trop bien. Eh, c'est génial. Il en faut peu pour être heureux. Hein. Wouhou, wouhou. Ah. Bon, par contre, dès qu'il y a un malheureux petit obstacle, il pleure. Bon, faut que je continue l'histoire, mais j'ai pas envie. Bon, ça va, on continue l'histoire. J'imagine qu'il faut aller par là. Hop là, hello. Hello, hello. Salut River. Merde, ah, une fleur. C'est trop bien. Wouhou. Waouh, eh, c'est trop bien. Ok, je marche sur la barrière. Je suis un fantôme. C'est trop bien. Bon, on arrête les bêtises. Où est la suite du jeu? Bonjour. Ah merde. Ah, fallait que je fasse tomber. Ok, je me suis dit mince, j'ai fait une connerie, mais en fait pas du tout. Merci. Oh. Qu'est-ce qu'ils font arrêter en plein milieu de la route ceux-là? mais ils ont dû rentrer, je pense. Ah, voilà Neil. Salut Neil. Voilà, ce memento fera l'affaire. C'est quoi, un caillou? Mais je ne remonte plus sur ce cheval. Toi, va chercher les autres liens mémoriels. Ok. C'est trop bien. Ah, ça c'est la mère de... Si je reconnais le bout de pixel qui bouge, je crois que c'est la mère de John. Ok, donc là c'est la fin du monde. Donc... Où ils sont? Ever? Ah non, en fait les pics... Ok, c'est tout grisé, d'accord. C'est pas la mère, c'est pas la mère de John. Fausse alerte. Mais je vais où moi? J'ai l'impression qu'ils sont rentrés. Je vais aller voir. Ils sont pas du tout rentrés. Mince! Non! J'ai perdu River! J'ai perdu la rousse! Où t'es? Où tu es? Faudrait que j'arrête de me coller dans les arbres. Ah, ils sont par là. Ok, par là. Non. Non. Mince! Ça va s'appeler Équitation Simulator ce jeu bientôt. Ouh. Attends. Ce qui est, je dois aller voir le lapin sur la route. Non, je dois pas aller voir le lapin. Non, non. Mince! J'ai perdu la suite du jeu. Ah. Où est la suite du jeu, s'il vous plaît? Allez, je suis en train de faire toute la map là, mais je les trouve pas. Oh! River, t'es où? T'es derrière un arbre? River! 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 Non, non. Mince alors! Ah! River! Nom de Dieu, je te lâche plus! River! River! Mais elle fonce! Pourquoi? Faut que je lui rentre dedans comme avec Neil? Attendez. Ah! Je suis coincée. Non, j'ai coincé mon cheval. J'ai perdu River. Non. Non. River. Ah, c'est là. River. Reviens. River. C'est ça. Oh. Ouh. Elle va vite, cette sale petite. Merde. Un caillou. Bon, on arrête les bêtises. Le cheval, c'est génial, mais... Allez, on descend. Ah. Et sinon, parlons plus jamais de ce qui vient de se passer. Oh, je vais me gêner. Comment je fais pour descendre? Est-ce que je dois activer le memento à cheval? J'active le memento à cheval. Eh ouais, parce qu'activer le memento à pied, écoutez les amis, c'est trop mainstream. Hein. Moi, je fais ça à cheval.
C'est parti! Activation! 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 Super activation! Préparation! Préparation! Oh yeah! Je crois que c'est un caillou. Ah non, c'est un sac! Oh, autant pour moi. Idéal 4. Alors, 4. Je réfléchis. Ici. Ici. Ok, j'ai trouvé. Putain, hey, je m'améliore, mais un truc de malade. 1, 2, 3, 4. Oh yeah! Eh oui, nous remontons dans le temps, c'est parti! Touk! On dirait que nous sommes dans une sorte d'école. Êtes-vous sûr du diagnostic? Ah, la maladie de River. On va enfin savoir ce que c'est. Alors, elle a été diagnostiquée vachement tard quand même. Êtes-vous sûr du diagnostic? Oui, nous sommes arrivés à un consensus quant au résultat. Hélas, comme c'est le cas pour beaucoup de troubles envahissants du développement, ce diagnostic arrive un peu tard. Si vous l'aviez su dans votre enfance, mademoiselle, de nombreuses souffrances vous auraient été épargnées. Vous avez des livres là-dessus ? Celui-ci de Tony Atwood, c'est l'un des spécialistes du sujet. Vous pouvez l'emprunter gratuitement, du moment que je le récupère un jour. Merci, docteur. Sinon, est-ce que vous êtes en couple ? Non, mariée, mais sans aucune affiliation légale. Oui, je vois. Bien, je peux vous donner les références d'un conseiller spécialisé, si vous le souhaitez. Y a-t-il quoi que ce soit de problématique dans votre relation ? Non. Et pour vous, monsieur ? Oh, il dit rien. Non, ça va. Oh, il ment. Le silence était trop long pour qu'il dise la vérité. Ceci dit, monsieur, vous devriez aussi jeter un œil à ce livre. Cela vous aidera à comprendre son problème. Je ne préfère pas. Pourquoi cela ? Très bien. C'est votre choix. Pendant que j'y suis, il y a ce qu'on appelle la thérapie équestre qui pourrait l'aider. C'est pour ça qu'ils ont été faire du cheval. Oh. Un ranch juste au nord d'ici en organise. Je peux les contacter pour vous. Ok, ok. Je te l'avais dit. Alors, on va juste lire la note. Et après, on va se quitter. Oui, si j'appuie sur échappe au lieu d'appuyer sur... Alors, la note. Mince, y a pas de note. Attends, elle a pas eu un livre. J'ai pas rêvé, on a eu un livre. J'ai pas de livre. Mince. Ok, bon bah tant pis. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vois que ça fait déjà 34 minutes et 20. J'espère que c'est... On finit sur un passage un peu triste là quand même. Un peu. On a le diagnostic de River. Bon, la prochaine fois on découvrira ce que c'est. On ira, on verra, je pense, on découvrira exactement ce qu'elle a. Comme d'habitude, je sais que c'est... J'arrive toujours pas à parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures sur To The Moon. Bye bye.